Maurice Papon a eu ce mot terrifiant. C'était la fin de la procédure. C'est un mot terrible. Mais quand on y réfléchit, cela signe bien le crime de bureau. La sécheresse du propos de Maurice Papon fait penser à cette phrase de Kafka : les chaînes de l'humanité torturée sont faites en papier de ministère. Cette expression m'a sauté au visage parce que je me suis dit, en 1942-44, c'est exactement cela. Le service des questions juives, ce sont des papiers de ministère. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers? Des noms de juifs qui n'ont rien demandé à personne. Des personnes qui demandent seulement de vivre. Et les papiers du service des questions juives vont les envoyer vers la mort. Nous sommes, là encore, dans cette distinction qui me hante, celle du crime administratif opposé au crime de bureau. Ce crime administratif constitue un enchaînement. C'est une sorte de crime qui passe de main en main et qu'on se transmet. Et c'est parce qu'il passe de main en main qu'on ne sait jamais quand il commence. Et c'est parce qu'on ne sait jamais quand il se commet que, dans la quasi-totalité, les criminels contre l'humanité n'ont jamais avoué. La spécificité du crime contre l'humanité est qu'il ne s'avoue pas.